Bonjour, ça faisait un petit moment. Isa du 33, j'espère que tout le monde va bien. Oui, et les petites mèches rebelles. Que vous supportez bien la chaleur. Moi, j'ai du mal. J'ai 5 ventilateurs dans la baraque, les filles. Bref, on va se faire un petit haul, mais alors un tout petit petit, comme vous le savez, hein. Les temps sont durs. Action. Alors, j'ai pris. Non, ça j'ai pas pris ça à Action, d'ailleurs, j'en passe pour ce fou là. J'ai pris. Je sais, ça m'est complètement interdit. Cappuccino, 1,29 €. Il n'y a plus l'autre, hein, le café au lait n'y est plus. J'ai pris du PQ. Donc sachez, mesdames, que le PQ de 1 et quelques est passé à 2 passés. Mais je vais retrouver les prix, je vous dirai. Je ne sais pas où j'ai mis le ticket, en fait. Mais j'y suis allée que pour du PQ. Et vous me connaissez. Ah! Voilà le ticket Shining tout de même. Le papier toilette pur. Donc ils mettent papier toilette pur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas du papier toilette impur. Mais bon, pur. 2,29 € ou 79. Non, 29. Hein, oui, 29. 2,30 € en promo cette semaine. Vous avez celui-là. Hop là. Il est bien celui-là, les filles. J'ai moins aimé le rouge en fait. Le rouge, j'aime pas. Il est très dur à sortir du tube. La pâte est vachement dure. Enfin, j'aime pas. Donc là, c'est la promotion. Le promotion. Youhou, la promotion. Je n'ai pas trouvé le prix, alors. Je suis toujours super bien organisée, vous remarquerez. Hein. Ah ben alors, attends. Alors, on a le cappuccino, 1,29 €. Le sac, 59 centimes. Le papier toilette, 2,29 €. Les 29, c'est débile. Vous n'allez pas me dire, c'est débile. 30, hein. Ça, c'est pas ça. Mais écoutez, Ah, le Colgate, le voilà. 1,50 €. Autant te dire que dalle, quoi. Par rapport aux grandes surfaces. Nous avons pris, bon, toujours pareil, je crois que c'est 79 centimes, un truc comme ça, là. Les démaquillants. Ouais, 60 centimes. Hein. J'arrondis, hein, 60 centimes. On a toujours besoin de coton. Nous avons donc pris Mazala. Oula, j'ai un autre ticket, c'est l'essence. J'en avais plus. Du avant. C'est le primer. J'ai du après, j'en mets pas. Par contre, j'avais pas du avant pour qu'il tienne bien. Alors le avant, le primer, il est où ce primer? C'est dans les deux balles, je crois. Hein. Le Colgate, je vous l'ai dit, ça ce sera après. Ça sera après. Mais c'est infernal les filles quand même. Ah, le préfixateur, 1,70 €. Vous avez vu, c'est pas très grand. Bon, en même temps, t'en mets pas 3 tonnes, mais. C'est quand même pas très grand. Et t'as le blanc. T'as le blanc aussi, mais il y a deux et quelques le blanc. Celui-là, bon, de toute façon, ça fait le même effet. Ce sont des primers. Que ce soit le blanc. J'ai pas vraiment lu, en fait. Alors, j'ai trouvé cette crème, parce que j'ai bientôt fini, vous savez, celle que je mets constamment, là. Vous verrez sur d'autres hauls, si vous voulez aller voir. Par contre, j'ai trouvé celle-ci. Je ne la connais pas du tout. C'est une crème de jour. Alors, tu as la rouge. Et tu as une bleue. Alors la bleue, c'est avec du collagène, je sais pas quoi. Moi, j'ai pris la rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'acide, il y a du relique. Et c'est ce qu'il faut finalement. Enfin, pour moi. Hein. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vais la tester. Je ne l'ai pas passée à Yuka. Si je la passe, je vous le mettrai. De toute manière, j'ai envie de la tester pour changer un petit peu de l'autre, tu vois. Elle fait la crème d'Elia. Elle est à 3 €. Donc, dis-toi que tu as la rouge et la bleue. Hein. La bleue, bon, ça va être du collagène. Bon, moi j'ai pris la rouge. Alors, pour me laver le dos, t'allais tomber, dis donc. Alors, je connais pas, ça doit être nouveau. Hein. Moi, j'ai jamais vu. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Donc, moi, je l'ai vu là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai appris. Ça, on va l'ouvrir ensemble. Dans les deux balles, hein, je crois. La Delia, je vous l'ai dit, hein, 3 €.
Gommage corporel. Ça doit être ça. 2 balles donc. Voilà, regarde. Tu le tiens là, là, et. Ah, tu te frottes le doux. Allez, hop, dans la salle de bain. Ça, c'est chouette, ça, par contre. Tu sais, j'avais la tige sinon. T'as la tige aussi. Mais c'est pas pareil, hein, avec la tige. Oh, excusez-moi. Oula, oulala. C'est des coltards, ou. Pourquoi qu'on entre nous. Et alors, vous savez que je suis partie dans le coloriage. Et je m'étais acheté, vous vous souvenez, enfin Fabrice m'avait acheté la boîte de Toonmaker. Mais dedans, tu n'as pas toutes les couleurs. C'est une boîte qui coûte quand même assez cher. Et j'ai pas toutes les couleurs. Donc j'ai pris mon temps. J'ai sorti la boîte que j'avais achetée donc à Action. Et j'ai regardé les couleurs que je n'avais pas. Effectivement, au niveau des verts, déjà, c'est pas. Il y a beaucoup de verts. Moi, dans mes trucs, il y a beaucoup de feuillage. Donc j'ai pris. Je vais vous montrer ça. C'est 3 boîtes. Après, c'est pas des grands, hein, c'est des petits jeux. Donc j'ai pris celui-là. Tu vois, j'ai pas tout ça, moi. Il y en a que j'ai pas. Il y en a que j'ai, mais il y en a que j'ai pas. Donc je vais faire un tri dans dans tout ça, de toute façon, dans la semaine, pour les ranger. Et alors, pour moi, les mieux, c'est les noirs. Les blancs, j'aime pas. Les blancs, ils transpercent la feuille, et je ne connais pas grand-chose en coloriage. Je ne dois pas avoir les bonnes feuilles pour pouvoir colorier avec les blancs. Donc, je préfère les noirs. Enfin, moi, perso, je préfère les noirs. Donc, à savoir que la boîte coûte 2,24, voilà. Ah non, je vous dis n'importe quoi. 4 euros la boîte, voilà. C'est quand même 4 euros la boîte. Mais bon, je les utilise vraiment beaucoup, beaucoup, donc c'est pas, voilà. Pas cher quand tu vois qu'à Cultura, j'ai été à Cultura et ma fille lundi, et waouh, dis donc, les feutres, c'est 60 balles, 70 balles, 30 balles, 3 feutres. C'est mes tickets, faut pas que j'ai peur pour faire mes comptes. Et alors j'ai pris ceux-là, qui sont métalliques, parce qu'il y a des trucs, j'ai du métallique, mais c'est en stylo, et pas en feutre. Donc là, c'est des métalliques, donc ça me convient très très bien. Surtout que, excusez-moi, au niveau des couleurs, c'est ce que je suis, mais d'ailleurs comme les ongles, en ce moment je suis un peu rose. Ça va me changer du vert, hein, parce que d'habitude je suis vert. Alors j'ai vu une TikTokeuse, les filles, qui a dit, ouais, là, là, il faut que vous l'ayez, celui-là, vous me connaissez, mais rouge aux lèvres. Et moi, je n'ai pas celui-là. C'est celui-là. Ouais, il est super, machin. Bon, bah, écoute, nous allons le tester. Donc, il est à 1,60, tout de même. Alors, voyons voir, mesdames, en direct live. Ah oui, mais j'ai l'autre. Mmh. Oh putain, mmh. Mmh, il a un goût de caramel. Oh, j'adore. Ah ouais. Ah mais il est super, les filles, elle a raison. Alors ça. Mmh. Oh, je boufferai le truc. Ah ouais, et puis alors il a un goût. Hein. Mmh, caramel, tu vois. Putain, il est bien, oui. Après avoir, s'il va tenir comme ils disent, dans 3D. Non, non, il fait son truc. Mmh. Ah, j'aime beaucoup les filles. Et vous savez comment je suis en rouge aux lèvres. Hein. Je suis, bon, j'en ai déjà 150 000 et je suis quelqu'un... attention, il faut que ce soit du rouge aux lèvres. Pas que ce soit de la merdasse, quoi. Donc moi, ben, je le conseille. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Il a bon goût, en plus. T'as rose, j'ai vu, rose pâle. Bon, moi, j'ai pris celui-ci. Et dessous, j'avais celui de Noz. J'avais celui-là, que j'adore, d'ailleurs. Tu sais, c'est ceux à 2 couleurs. Donc, ils te font le contour et l'intérieur. Après, là, c'était là, c'est du marron, hein. Je l'utilise énormément. Et après, ben, tu mets autre chose. Hein. Tu peux mettre deux rouges aux lèvres. Hein. Tu peux mettre celui-là. Et après, ben, tu te mets une autre couleur. Enfin, peu importe. Tu mets
Et par contre, je mets ça pour les contours. C'est un stylo exprès pour éviter que ça bavouille. Tu sais que ça rentre là, là. Donc c'est un stylo transparent. Hein. C'est exprès. Je l'avais trouvé à Noz aussi. Il y a un petit moment de cela, donc je ne pense pas que vous le retrouviez. C'est Lip Gloss, pardon. Et la marque, c'est Bella Oggi, B-E-2-L-A, O-2-G-I, italien. C'est un contour pour les lèvres, tout simplement. C'est universel, oui, bah oui, tout bien. Mais au moins, ça évite, parce que souvent, des fois, tu n'as pas le stylo assorti, tu sais, à la couleur. Quoique, maintenant, tu arrives à trouver quand même. Mais bon, ça, c'est bien. Ça évite que ça dégouline. Voilà, mesdames, moi, j'ai fini mon rôle. Comme je vous ai dit, ce sera sûrement un par semaine et non plus 15, parce que j'y vais plus trop, hein, de toute façon. Lorsque j'y vais, ce sera comme je vous ai dit, pour les poches poubelles ou le PQ ou les trucs. Mais là-bas, je prends quand même tout ce qui est pour mon lave-vaisselle, produits pour la vaisselle et produits pour me laver et tout. Mais bon, là, on a tout. Hein, donc, voilà, donc je vous dis eh bien, à la semaine prochaine. Je vous fais à tous et tous de gros, gros bisous. Et bah écoutez, des petits pouces en l'air, ça serait sympa. Les petits pouces en bas, bon, mais ça t'a pas plu. J'essaierai de voir pourquoi. Mais en fait, ça serait bien qu'on me dise pourquoi. Parce que celles qui mettent des pouces en bas, j'en ai, hein, j'en ai deux, trois des fois. J'aurais aimé que la personne qui met le pouce en bas me dise pourquoi, pour que je puisse m'améliorer. Il y avait quelque chose qui ne lui plaît pas dans ma façon d'être, ma façon de faire, je ne sais pas. Après c'est vrai que c'est pas voilà, moi il n'y a pas de bande machin coucou, j'aurais aimé le faire mais je ne sais pas faire donc voilà, c'est vraiment du tout simple. Je vous fais de gros gros bisous, je vais vous laisser tranquille, soyez forts avec les temps qui courent, j'espère pas trop de dégâts pour ceux qui étaient par chez nous, lavez la grêle et puis et l'instant présent hein. Et merci à vous d'être là surtout.